Décidément, la 18e foire internationale de Lomé confirme son statut de rendez-vous des innovations. Constat une nouvelle fois fait ce 30 novembre à travers cette rencontre d'échange dédiée à la Société des Postes du Togo. Rencontre au cours de laquelle les premiers responsables de l'entreprise ont présenté toutes les opportunités innovantes de l'heure mises à la disposition de la population sur toute l'étendue du territoire togolais et surtout mises en vue à cette messe commerciale internationale de Lomé. Aujourd'hui, nous avons des applications mobiles qui puissent permettre aux clients de faire toutes les opérations financières et postales comme s'ils étaient en agence, même s'ils sont à la maison ou au service. Donc avec l'application e-post téléchargeable sur Play Store ou App Store, les clients peuvent faire les opérations d'achat de tickets de bus, de paiement de factures, de simulation de crédit et de transfert d'argent. Au-delà de l'application e-post, nous avons mis en place depuis 3 ans notre site marchand asieyeme.tg qui est une plateforme de promotion des produits locaux où les exposants togolais peuvent mettre leurs produits et se faire voir partout dans le monde. Donc lors des achats, la Poste se charge de distribuer partout sur toute l'étendue du territoire ou bien sur le plan international les produits commandés par les clients. Occasion également pour la Poste de mettre en exergue l'un de ses produits essentiels qui vise surtout la promotion du Made in Togo dénommé le panier conso local. Le panier conso local qui est une rubrique du site marchand asieyeme.tg qui constitue essentiellement que des produits que nous consommons au quotidien. Et avec ce panier conso local, tous les fonctionnaires qui ont leur compte chez nous peuvent bénéficier d'un découvert qu'on appelle le découvert panier conso local. Ce découvert est dédié exclusivement pour l'achat en ligne sur le panier conso local. Ce découvert, le client ne peut pas toucher l'argent en numéraire, ni au GAB, ni au guichet. La foire internationale de Lomé de cette année 2023 prend fin le 3 décembre prochain.